Et bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Hop, on va couper le retour, c'est mieux, hein, ça fera moins d'écho. Et ben voilà, on est reparti avec l'ami Erwan McLaren qui est rentré à Greenop hier soir. Je voulais pas streamer parce que je voulais éviter certaines informations qui pouvaient passer en bêta. Et oui, donc je vais y faire attention. Donc on vous fera découvrir tout ça au fur et à mesure des aventures d'Erwan McLaren sur Dark Zone. On est toujours sur le serveur Dark Zone, sur Xbox. Si, on est bien sur Xbox. Ouais, on fait des trucs comme ça sur Xbox aussi. Ouais, voilà. On est à Greenop et ce soir on va aller tenter de retrouver Dwayne, le meilleur ami de McLaren, qui a sauvé la sœur de McLaren, donc Tamika. Même si on l'a reperdu entre-temps, c'est quand même lui qui a fait amende honorable et McLaren, qui est quand même un mec plutôt droit, va faire en sorte de retrouver son pote et avoir une solide discussion avec lui. Voilà, sur ce, je m'aperçois que le nom, c'est pas le bon. Hop, on enlève Walker. C'était cet après-midi. Je fais mon ménage. Hein, Alors, bon, ici, quelle spectateur. Il est là, voilà, c'est mieux. Ceci dit, vous pouvez aussi maintenant découvrir la boutique Dark Zone. Si, hein, je vous mets le lien directement. Bon, c'est pas fini, hein. Il n'y a que le mug, la casquette. Donc, je vous invite à y faire un saut. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà. Il y a des réductions si vous êtes abonné à titre indicatif. D'ailleurs, il faut que je vous rappelle, parce que je me suis fait engueuler, que ce stream est sponsorisé par les magnifiques écouteurs JBL, que le son, même tu l'entends, que même si t'es pas le casque sur les oreilles, bah tu reçois quand même l'information. C'est pas beau, c'est JBL qui fait ça. Ceci dit, vous verrez, il y a le lien qui va s'afficher dans le chat pour JBL si vous voulez aller voir. C'est vrai que c'est des bons casques. Et ça reste une bonne marque de toute façon, donc ne vous gênez pas. À savoir que tout le pognon accumulé, les millions d'euros que nous gagnons grâce au stream, servent à payer le serveur, hein, uniquement. Hein, et quand on arrive à payer quelque chose, que c'est pas de notre poche. Voilà. Mais enfin bon, on joue le jeu. Ceci dit, ben voilà, on est à Greenop, on va aller certainement retrouver l'ami Brown. En deuxième partie de soirée, il est possible qu'on fasse un petit saut sur Meloman et Cookman, les deux personnes que vous avez découvertes il y a quelques jours. Qui sortent de l'île de Scalistique complètement dévastée, et il y aura peut-être des choses à apprendre avec eux et à découvrir. En tout cas, vous les avez bien aimés, vous m'en fait délirer, en tout cas bien poilé. Vous allez voir qu'ils sont pas si rigolos que ça, ces deux persos. Au fur et à mesure des lives, vous découvrez la part de ténèbres qui habite Meloman et Cookman. Et vous êtes pas prêts là encore une fois, hein. Vous allez pas les voir venir. Je vous le dis, allez, sur ce, je descends rejoindre des amis. Et on est parti pour une bonne petite soirée de roleplay. Dans la vraie vie, j'ai plus de main même avec des gants. Hein. Hello, Mr. Bond. Oh, McLaren. Vous allez bien? Go. Bah, très bien, et vous? Bah, bien dormi, bien reposé, ça fait du bien de retrouver un truc qui ressemble à un lit. Ah bah tu m'étonnes, hein. Monsieur McLaren, bien faire le bivouac, mais au bout d'un moment. Notre stalker national, comment il se porte là? Ça va, et vous? Bon, bien dormi? bien dormi, ouais, il fallait après 3 mois d'avoir dormi, sur des rochers, dans des buissons. C'est pas le truc le plus sympa qui m'est arrivé, quoi. Bah, vous m'étonnez. Ah, mais... On s'est passé pas. Comme je dis, ouais, faire du bivouac c'est cool, mais avec l'équipement nécessaire c'est peut-être mieux. C'était pas vraiment le cas, c'est bon, ça, c'est ça. On fait avec. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Ah putain. On est du nouveau, monsieur Brand, donc, hein, quoi. Je voudrais. À part les petits nouveaux qui sont arrivés avant-hier et tout ça, non, là depuis tout à l'heure il n'y a pas spécialement grand-chose. Là on parlait avec Frayeur, il nous expliquait qu'il y avait peut-être quelque chose à nous dire par rapport à Monsieur Koopman. Ah. Alors, du coup je lui disais d'attendre que tu sois là pour qu'on puisse en parler ensemble, sachant que ça touche à des trucs. Ouais.
Ouais, parce qu'hier, quand on a eu la conversation avec lui, il nous a pas tout dit, quoi. J'ai eu des informations supplémentaires par justement un gars là, qui était là, qui avait parlé avec lui dans l'après-midi. J'étais occupé, j'étais pas là. Et il parle de choses sur la masse qui ferait partie d'un ordre et qui aurait connaissance d'une femme scientifique là-bas. Un truc assez bizarre, quoi. Donc, Léonie, je lui ai dit d'essayer de revenir pour justement s'expliquer mieux, parce que bon, j'ai pas tout suivi avec vous. Mais bon, en même temps, c'est quoi, c'est le gars, c'est le gars qui a une oreille fine, et bon. Intéressant. Ça. Voilà. On a une radio de terrain utilisable, monsieur Brun. Ouais. Oui. Celle de ma voiture, hein. Ah oui, super. On va pas hop, s'il vous plaît. Hop là. Allez, allumez. Ok. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis, comme on dit. Ici McLaren. Pour W. John Doe. Je dois vous contacter au plus vite. Je répète. Pour W. John Doe. Je dois vous contacter au plus vite. Besoin d'informations. Merci. Je vais essayer de rejoindre lui. Ceci pour prayer, tu me reçois? Venez, monsieur Brun. Ouais. Vous pensez que Dwayne se trouve sur Charnon alors? Ah bah c'est à peu près certain, il s'était présenté devant moi sous le nom de Monsieur Raïm. Bon, il était habillé déjà d'une manière très très similaire à Dwayne de base, mais bon, à la rigueur ça on peut passer outre, il y a peut-être des gens qui aiment bien le style vestimentaire, mais ouais, il se présentait sous le nom de Monsieur Raïm, et d'un seul coup, Roslan est passé derrière et il l'a appelé Dwayne plusieurs fois, et il a bien insisté sur le prénom Dwayne avant de bien comprendre qu'il s'est défoiré, quoi. Donc je pense qu'il est en planque là-bas, ou une connerie comme ça, mais alors pourquoi? Pour quelle raison, quoi que ce soit, à part fuir le monolithe, je vois pas d'autre raison, quoi. Bah, quoi qu'il arrive, je lui envoie une grosse, quoi. C'est lui qui a libéré Tanika. Du coup, je lui ai fait comprendre, on est parti un petit moment sur le côté, je lui ai fait comprendre, parce qu'il persistait à se faire dire Raïm, voilà. Bon, il avait capté que j'avais capté, hein, il est pas bête. Mais du coup, je lui ai fait comprendre que nous, en tout cas toi et moi, on était totalement sur la même longueur d'onde, sur le fait que on le remerciait énormément, et j'ai même fait un peu les éloges en disant que c'était un héros, quoi. Et clairement, ouais, c'est un héros. Bah oui, voilà. Donc j'ai essayé de faire passer ça comme ça pour qu'il puisse comprendre que nous, de notre côté, on n'a aucune rancune envers lui et qu'on ne lui veut aucun mal en tout cas. Ok, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Parce que j'aimerais bien justement descendre sur Charme. J'ai pas spécialement de programme. En petit comité. Oui, bien sûr, ça peut se faire. Si on débarque. C'est-à-dire que nous deux ou Frayer aussi peut-être? Que nous deux. Pour le moment, je voudrais pas trop mettre les stalkers, les nouveaux stalkers. Oui, y a pas de soucis. Dans de nouvelles emmerdes, je crois qu'ils vont pouvoir reconstruire, quoi. Aïe. Ils viennent se casser la gueule. Ouais, bah moi ça me gêne pas d'y aller avec la Olga. Hein. Eh bien écoutez, on y va. Quand vous voulez. Ok. D'ailleurs, je remplis ma gourde et tout, normalement c'est bon. Pour votre gars Léonie, là, qui aurait des informations sur le Cookman, les séries transparaissent pour l'instant. Ni avec Cookman et son pote que j'ai toujours pas vu. Et Léonie, gardez-le moi au chaud. Qu'il arrive à développer ce qu'il a compris et entendu, et qu'on en sache un peu plus sur nos nouveaux voisins. Ça marche. Savoir qui ils sont vraiment. Je sais qu'hier soir, Monsieur Koopman a fait une distribution de drogue dans le camp. Je vais cramer tout ce que j'ai trouvé, quoi. Alors, on va se prendre un bel orage, hein, et on va se mettre à l'abri. Vous en pensez quoi de tout ça? Ah, moi j'en pense à rien tant que je n'ai pas d'informations, sauf que la drogue, on va pas la laisser tourner, quoi, ça c'est sûr. Bah, justement, c'est pour la drogue que je vous dis ça. Vous comptez faire quoi par rapport à ça? Bah, m'expliquer que gentiment que la drogue, il la vend où il veut, partout ailleurs, sauf chez nous. Bah, c'est ce que je pensais aussi à la base, quoi. Donc,
Si t'as commencé à vendre de la drogue ici, ça, non, ça, si, ça, si, ça va pas on faire. On va lui faire comprendre que s'il veut une bonne tranquillité, il serait sympathique qu'on ait les infos de quels survivants font partie de ses clients et achètent de la drogue chez lui. Ça peut servir de levier plus tard, sait-on jamais. Mais je vais vous avouer que personnellement, j'en ai déjà consommé quelques fois. Oui, mais ça on le sait, monsieur, monsieur Morand, c'est pas une nouveauté. Mais c'est pas pour autant que je suis addict à ça, quoi. C'est vraiment occasionnel. Ah, mais de toute manière, j'ai prévenu les futurs potentiels, les gens qui vont arriver ici. Hein. Si je sais qu'il y en a un qui fume de la drogue ici, systématiquement, il est grillé. Donc. Ouais, bah oui, bien sûr. Bon, moi, il va juste falloir que je l'accepte pas à chaque fois qu'il m'en propose, parce que sinon, effectivement, ça va devenir une habitude. Mais là, pour le coup, non, c'est encore très occasionnel et j'espère faire en sorte que ça prenne pas plus de place dans la cité que ça, quoi. Enfin, dans le Grenoble. Ouais, il va falloir faire. Hein. Parce que sinon, ça va poser très vite de gros problèmes. Ils ont des bonnes. Bah, surtout qu'on est. Après, ils m'ont fait comprendre aussi. Ils m'ont fait comprendre aussi que faire de bons dons de leur côté pourrait nous être très avantageux. Alors de quel côté, je sais pas, mais il y a certaines fois où il a l'air assez menaçant, donc je pense qu'il a peut-être d'avoir des prédispositions à certaines choses, quoi. Il sait sortir un mot menaçant très doucement sans que ça paraisse trop méchant, mais ça l'est clairement, quoi. J'ai passé plus de 2 mois aux côtés de taré venant de Damask. Je peux vous dire que les gens qui arrivent de là-bas sont relativement plus tendurcis et que limite les grands méchants d'ici sont limite des petits joueurs à côté. Ouais. Bah donc il faut s'en méfier quand même, faut s'en méfier, quoi. Ah bah bien sûr, faut se méfier tout. Il faut savoir dans quel camp ils peuvent basculer, c'est surtout ça. Et de quelle manière ils fonctionnent. Maintenant, il est vrai qu'au prime abord, Monsieur Méloman n'a pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement fiable. À voir. Ah bah ça c'est ça à voir, effectivement. Ouais. Après, effectivement, quand on leur propose une belle bicoque et qu'ils choisissent d'habiter dans des ruines, c'est vrai que ça fait étrange, quoi. Bon. Bizarre. Mais bon, si le pasteur Méloman est un vrai pasteur, habiter dans une église le rassure peut-être. Ah bah probablement. À voir. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Salut Cara. Il va falloir voir tout ça. Vous vous préparez à le mettre en route, monsieur Brown. Je suis cherché. Ouais, je suis en train de réfléchir à savoir.
Bonjour, enfin, Refrayer. Attends, j'ai pas. Oh, monsieur. Ah bah. Bonjour, monsieur. Ah bah voilà, Refrayer, je vais te laisser. Je vais te laisser converser, messieurs, et leur donner les noms. Ouais, ça marche. Vous disiez, monsieur McLaren ? Je disais bonjour à tout le monde. Donc, Léonie. Alors voilà, c'est toutes les personnes que je ne sais pas si vous les avez toutes vues ou pas. Mais... Non, je crois pas. C'est on a laissé un gars en short, sérieux, monsieur Brown. En short ? Ouais. Justement, c'est des personnes que j'ai rencontrées à Zeleno. Et, ah, là, tu l'as rencontré là, c'est ça ? C'est une nouveau survivant qui vient d'arriver alors. D'accord. Ah oui, d'accord, ah, encore d'autres. D'accord. Ok. Ah, bah, nickel. Bah écoute, Frayeur, je pense que je vais faire l'accueil là-dessus, non ? Je leur ai proposé de venir rencontrer le village s'ils en avaient l'envie. Peut-être qu'on aurait certaines choses pour répondre à ses besoins, je pense, notamment. Ah hein, oui, bien sûr. Bien sûr, au niveau vêtements. Après, voilà, j'aurais dit qu'ils étaient libres de repartir, mais du coup, voilà, ils n'étaient pas fermés à rencontrer les gens. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, McLaren, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, Frayeur, on va s'en occuper, quoi. On va lui filer déjà un pantalon. Bah oui, pas de soucis, hein. Et puis on va le réchauffer, lui donner à manger, ouais, comme d'habitude, quoi. Frayeur, dans l'ancienne maison de Dwayne, normalement, il y a un jean qui doit traîner. Je pense que je peux le remplacer. Aussi de mon côté, ouais. Contre, Léonie, monsieur McLaren voudra vous voir personnellement par rapport à ce que vous m'avez parlé. Venez avec moi. Venez voir. Sans aucun souci. Je vous suis. Ouais, monsieur, venez avec moi. Vous êtes entre deux bonnes mains. Ça prend vite tout ça. Donc Léonie, enchanté. Hein. Moi c'est Erwan, Erwan McLaren. Je crois qu'on s'est pas croisé. C'est pas pour vous contredire, monsieur. C'est juste petite précision, c'est Léonide. Léonide, excusez-moi. Ouais. Autant pour moi. Le dé n'est pas aspiré, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est Frayeur nous disait que vous avez eu une discussion assez étrange avec nos nouveaux voisins, Monsieur Koopman. Oui. Ah, essayez de me mettre les choses dans l'ordre qu'on comprenne. Du coup, pour partir du début, lorsque nous avons été accueillis, moi et mes deux amis, à Green Group, Monsieur Frayeur nous a fait le topo grossièrement des choses à savoir dans la région, des factions, des gens importants à connaître, des histoires importantes à connaître, et parmi l'une d'entre elles, celle d'une faction appelée le Monolith. Dans ses explications, il nous a expliqué que c'était un culte très bizarre, hein, qui est obéissance à ces stèles qu'on peut retrouver un petit peu partout, entre autres, et qu'une personne nommée le pasteur était connue pour y être affiliée, mais sans aucune information supplémentaire. Vous trompez. Le prêcheur. J'ai écouté... Pas le pasteur. Le prêcheur, oui, pardon. Le prêcheur. Et donc, parmi toutes les informations que Frère nous a fait part, il y avait aussi celle de personnes qui sont hébergées à l'extérieur. Je pense que vous imaginez qui c'est. Et l'une d'entre elles, je l'ai rencontrée hier soir. Je dirais que c'est deux personnes, bizarrement, seraient arrivées par téléportation. Ils sont originaires de Namals. Donc moi, à Namals, je suis originaire de la région. Avant que tout parte en cacahuète, j'avais vu sur les sites, ne me jugez pas, de théorie du complot, qu'il y avait des expériences bizarres qui seraient menées. Donc après, la théorie du complot, vous voyez comment on peut les prendre. Et il s'agirait que cette personne serait arrivée avec son acolyte d'une manière très bizarre sur le territoire de Charmar depuis Namas. J'ai essayé de discuter, du coup j'ai rencontré hier soir, j'ai essayé de creuser le sujet, essayer d'apprendre à connaître son histoire, si j'aurais pu avoir des informations à transmettre à Frayeur pour essayer de démêler le vrai du faux, c'est dur à le comprendre. Et du coup, il m'expliquait grossièrement dans le grand mine que je lui demande « Mais pourquoi tu vivais sur Namos ? C'est un choix bizarre que tu vis là-bas quand même, c'est pas une île réputée très plaisante. » Il me fait « Ah, gars, si tu savais, c'était pas un choix. J'ai été appelé par le pasteur pour aller aider et soutenir mes frères. » Déjà, ok, et du coup, soutenir pourquoi ? Il me dit « Pour les épreuves de la vie, c'est Jack qui nous l'a demandé. »
Après, je dis, du coup, tu serais arrivé par téléportation, ce qu'on dit. C'est vrai que c'est des canons. Et il m'a dit, ah, gars, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il faisait tout noir, j'ai entendu des drôles de bruits, et je me suis retrouvé là. Et il m'a aussi parlé d'une femme qui dirigerait les opérations sur l'île de Namalsk. Des opérations bizarres, ce qu'il m'a dit. Une femme très autoritaire, mais méga bonne, à ce qu'il m'a dit. Hein, voilà, je pense. Okay. Donc il l'avait physiquement et il la connaît de nom. Il n'a pas voulu me dire son nom. Donc voilà. Après, moi, là où j'ai du coup sollicité Frayeur, c'est que ça a fait écho dans ma tête en essayant de lire entre les lignes de ce que cette personne peut dire. Parce que comme je vous ai dit, elle est très très haute. Hein. C'est dur de la cerner. Mais l'histoire du pasteur qui fait un appel pour aller soutenir et aider ses frères, ça m'a fait un peu penser au monolithe. Les gens sont connectés astralement et obéir à une parole. Pour avoir discuté avec Méloman, il est connecté, mais pas avec le monolithe, hein, ça c'est sûr. Il est connecté avec n'importe quoi d'autre. Est-ce qu'il appellerait pas Dja serait une entité? Je sais pas, après moi. Voilà. J'ai trouvé ça. Voilà, ça m'a fait écho. Pour avoir discuté hier soir avec lui, c'est qu'en fait, pour nous, lorsque la Scalistie a explosé, il s'est passé plus de 3 mois. Eux, pour lui, ça fait 4 jours qu'il est arrivé. Scalistie, je l'ai arpenté en long, en large et en travers pendant plus de 3 semaines. Il n'y a personne qui va y vivre là-dessus. Ça, c'est une certitude. C'est stérile complètement. C'est des poches de gaz, c'est du brouillard en permanence, c'est des infectés qui sortent de tous les côtés. Bonjour messieurs, je me présente et je m'appelle Gary. Eh bien enchanté Gary, allez-y, c'est sur la gauche, c'est sur la droite, allez-y, merci. Salut bien Gary. Ouais, je l'avais eu à la radio, je lui avais dit qu'il pouvait recharger sa batterie ici. Là où on était hier. Bon. Ouais. Et Gary va se mettre en chuchotement, sinon il va se prendre des mandales. Ouais, donc ce que je disais, et ce qui est assez étonnant, c'est que pour lui, d'entrée, ce qu'il nous dit, ce qu'on arrive à déchiffrer dans son discours assez étrange, c'est que ça fait 4 jours qu'ils sont arrivés. C'est ça, oui. De toute façon, vivre plus que 4 jours là-dessus serait impossible. Alors, ce qu'on va faire, Leonid, on va essayer de garder ça secret et pas trop les bruiter. On va prendre notre temps. C'est des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre à connaître pour commencer. Est-ce qu'ils peuvent devenir des atouts pour nous ou des adversaires? En tout cas, ils sont pas loin. Et l'avantage, c'est bien qu'ils soient pas loin. Bien entendu. D'accord. Donc, motus et bouche cousue. Après, voilà, j'en tire pas de conclusion hâtive. M'a fait écho. Je me suis dit, j'en parlerai peut-être avec Frayeur. Que c'est un rapport avec le monolithe. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Que c'est des mecs bizarres, ça c'est une certitude. Que Bookman est d'autant plus bizarre, c'est une certitude. Moi, il a eu aucune attitude menaçante en ma présence. Non, pas du tout. Il est même drôlement attachant, je trouve, malgré son état. Il y a aucun souci avec ça. Il y a des gens attachants. Exactement, ça vous savez, vous parlez pas n'importe qui. On a des nouvelles des stalkers par contre. Nos deux tarés de Malcolm et Chuck. Moi j'en ai eu. Dernièrement. Ouais, justement. Justement, ces messieurs-là ont eu des infos là-dessus. D'accord. Oui. Pour vous, du coup, on est arrivé, nous, il y a 3 jours à Green Hope. Le lendemain, du coup, donc il y a 2 jours avant-hier, on a été sur la route du littoral pour faire comme nous a demandé Frayeur, essayer d'aller trouver et aider du survivant si le besoin était. Et on a rencontré 2 personnes. Okay. Une coréenne et un tchernard. Donc la coréenne s'appelle Sun et le tchernard Alexei. Et la personne qui a été en contact avec, je suppose, mais la description colle plutôt bien, aux 2 Darkstalkers serait Sun, la coréenne. Elle aurait été dans la ville de Tchernogorsk. Elle aurait été prise à partie par 2 hommes habillés tout en noir. Elle a reconnu un qui était armé d'une M4. Le deuxième, elle n'a pas eu le temps de... pas vraiment, voilà, le sang-froid de distinguer. Et ils l'ont sommé
de déguerpir au plus vite. Ils lui ont dit, t'as de la chance de repartir vivant, si tu étais armé, on t'aurait tué. Est-ce que Roslan est au courant de ça sur Charlevoix? Je pense pas. Alors on va lui faire une petite visite, comme prévu. Ouais, bah oui. On arrivera avec une information qui va lui déplaire. Et que, a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre, à demi-mot dans votre bouche, c'est qu'il a l'air de... d'essayer de tenir son endroit d'une main de fer. Et ça... Et que malgré cela, il y a des broutilles qui arrivent derrière, quoi. Bah, c'est une sacrée broutille. Des broutilles. C'est une chose que Malcolm... Les questions qui resteraient avec la fin, ce serait savoir qu'est-ce qu'ils font sur Tchernobyl. Est-ce qu'ils ont, eux, des intérêts personnels ou une cache, ou est-ce qu'ils gèrent des intérêts pour d'autres personnes? On va amener l'information, on verra la... l'information de notre amour, comment on va le prendre, Roslan. Bah, vous êtes sympathique. On va se mettre en route, monsieur Brown. Merci, Léonide. C'est ouais, top. Oui, pas de souci. Continue comme ça. Moi. Motus et Bouche-Cusu pour le moment, et on agira s'il faut agir le moment venu. Je suis assez impatient de rencontrer le pasteur, moi, maintenant. Ouais, c'est intéressant. Ouais, intéressant, c'est pas le mot. Mais... voilà quoi. Quoi qu'il arrive, j'ai contacté quelqu'un qui devrait me remonter des informations dans les 3 ou 4 jours sur des activités de ce type-là sur Namalsk. Vous savez, la personne avec qui j'ai passé quelques temps. Ouais, je vois très bien. Une fois qu'on aura fait le. Comment ça s'appelle ? Le Roslan. Et voir si on peut choper et attraper Edwin, voir où est Edwin, quoi. On essaiera de trouver Madame Vivi. Ah bah, de ce que j'ai compris, là où est Roslan, Edwin n'est pas très loin en général. Il m'avait expliqué être chef de milice ou une connerie comme ça. J'ai pas trop compris exactement, mais je crois que c'est ça. Ok, bon, allez, on se met en route. Let's go, vous allez ouvrir. Je vous laisse sortir la voiture, j'ouvre. Ok, ça marche. Ouais, oui. Ah, bah écoute, ça va bien. Ouais, tranquille, tranquille, tout va bien. Bonjour, je crois qu'on se connaît pas. La route ou vous voulez que je conduise? Oh, bah, je viens de vous conduisiez, hein. Ça m'évitera de casser, ouais, bah, allez, ça m'évitera de casser une voiture de plus. Oui, mon actif, j'en ai encore aucune de cassée, donc ouais, je préfère continuer comme ça. C'est bien, monsieur Brown, ça va pas durer. Vous avez un radiateur de rechange ou pas? Oh. Oui, radiateur de rechange et bougie de rechange. Ainsi que le batterie aussi. Après, comme disent tout le monde, apparemment je conduis un peu comme un grand-père, donc... Je vous confirme. C'est long et chiant, c'est bon, mais bon. Si ça nous permet d'arriver entier, ça me va. Ah bah clairement, ouais. On va s'arrêter à l'auberge aussi. Là de suite. Ouais, ça c'est fou. Que je rentre la voiture. Ah bon, oui. Hop là.
faut la rendre, c'est bon. Bah, merci. Ah bah bravo. Ah bah attends, j'ai pas rien passé. Le tableau il est plus. On n'a rien abîmé normalement. Non c'est bon, y'a rien. Allez go. Ouais. Ah, il avait même monté un sapin de Noël. Ouais. Avec une petite musique qui tourne en boucle à côté. Chargé. Monsieur Brown, qu'est-ce que vous en pensez? Si pour les survivants qui sont seuls le 24 décembre, on pourrait ouvrir l'auberge pour ceux qui sont là et se passer tous la soirée ensemble, amis comme ennemis. Ben moi, il n'y a pas de souci. Hein. On posera la question à ceux qui sont là. Vous l'avez enterré. Après, personnellement, je serais. Pas là du tout, mais ouais, au fond. Qu'il aurait aimé son épée, mais pour une question de principe, on ne retourne pas à mort avec une arme, quoi. Ça fait des ordres. Donc, sur le chaudron, je pense que ça le représente bien. Ouais, Lambert. T'as tout trop bas et géant. Il était attaché. Je suis désolé. Clairement, ouais. Ça fait tout 3 mois et je viens au moins une fois par semaine minimum. C'est vous qui amenez les plantes? Ouais, j'essaie de les entretenir. Ouais, je suis désolé Norbert, parce que c'est quand même un poil de ma faute tout ça. Ouais, on vous vengera, vous inquiétez pas monsieur Norbert. Je pense qu'il aimerait qu'on aille de l'avant. Monsieur Brown. Il était casse-couille, mais c'était un humanitaire avant tout. Ça, pour être casse-couille, il était casse-couille. Je vous confirme. Faire passer le gros mot, remonter les barres. Je l'ai aimé, ce petit con. Ça ira toujours. Peu le temps de savoir ce qui était au menu. Non, mais ça. Je rouvre, je vous laisse la sortir.
Allez, c'est parti. On sent les relations avec Roslan. Ouais, je pense que les relations se passent quand même plutôt bien, même si c'est assez, comme vous le dites, tendu. Mais on va dire que c'est de bon accord, quoi. J'ai descendu un coffre avec trois nasses pour pêcher. Ok. On leur offrira un signe de bonne entente. Bah, bien sûr, il n'y a pas de soucis là-dessus. Après, il a l'air d'être quelqu'un de très fier qui pense avoir se démerder sur les deux personnes, j'ai l'impression. Dans la ville à côté. Quoi du nouveau là? Ah oui, bien sûr. Que Douane est récupérable, on peut le faire remonter à la cité de Vina, qu'est-ce que vous pensez? Sincèrement, je pense que avec vous, il y a plus de chances que si ça avait été avec moi tout seul, quoi. Ouais, c'est quand même votre ami, voire même votre meilleur ami, donc... Ouais, bah, il a beau vous faire la gueule, une amitié, c'est censé passer au-dessus de ça, non? Je pense pas qu'il me fasse la gueule, non, je demandais surtout si vous faisiez la gueule à vous. Sincèrement, je sais pas. Je pense qu'il essaye de prendre des distances pour pas se mettre en danger, c'est tout.
toujours aussi longue la route hein, pour descendre sur les côtes. Ah, ah ça, ça. Ouais, puis moi je vous le dis, je vais pas abuser de nos bagnoles. Hein. Annoncer avant d'arriver à Roslan ou pas? Pas du tout, on m'a même pas demandé quoi que ce soit, apparemment on n'était même pas les bienvenus la première fois où on y allait. D'accord. De ce que j'avais compris, c'était l'armurerie qui nous a ouvert et il était pas censé nous ouvrir apparemment. D'accord. Bon, c'est quelque chose qui passe mal a priori. Il y a des problèmes sur la chaîne de commandement. Je pense que... Exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'il est gouverneur, mais qu'à titre honorifique, on va dire. Que la cité, que leur petite ville la marche beaucoup mieux en style indépendante et qu'il s'autogère, j'ai l'impression. D'accord. On sait qu'il y aurait quelqu'un d'autre derrière lui, en fait. Ah bah ça, j'en suis même certain, vu les financements qu'ils doivent avoir pour faire ça. Ça sort pas de terre tout seul tout ça. Hein. Et en 3 mois on n'a pas le temps de fabriquer autant de choses. Hein. À la base c'était là, mais la ville. Hein. Ah bah ça oui, mais bon. Non, avec des mains et un peu de matière grise et quelques outils, on fait des murs. Hein. On l'a bien fait à Greenup. Hein. Mais bien sûr, mais il faut les trouver les mains. Ouais. Il fait des trucs bizarres votre voiture chez moi. Ouais, je l'ai vu faire une petite danse hula hoop là. Sur la côte, hein. C'est ce que je vois. Ouais. Ça va être des Roland de Scalisti, j'ai l'impression. Ça va forcément s'éparpiller petit à petit. Hein. Bon, ça a l'air de s'agrandir sur Scalisti, d'après ce que j'ai vu. Quand j'étais plus jeune, il y avait une usine pas très loin de chez moi. La fumée nous arrivait toujours dans la gueule. Et bah c'est un peu le problème principal, je pense qu'avec le vent ça va s'éparpiller un peu partout. Maintenant quel genre de fumée c'est, bonne question. Bah ça a pas l'air super bon pour la santé, tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est ce que je me dis, ouais. Je me laisse essayer à la troisième de temps en temps là. Ouais, faut la décrasser un peu, monsieur Brown. Ouais. C'est plus du rodage. Je le fais seulement quand je connais un peu là. Vraiment, je me sens en confiance quoi.
Oui. C'était très très simple. C'est le grand plaisir de conduire une voiture en chemin en Russie, tu vois. Ah bah ça. Je deviens un train, je préfère. Voilà, c'est ça. Allez, on y est presque. Non, on n'y est pas presque, c'est sous gaz. Oh putain. Ah, on va attendre là, on va je vois pas le gaz. Moi je le vois bien. Vous voyez mieux maintenant? Effectivement. Qui est assez épais pour vous? Ouais, d'un seul coup, ouais. On va attendre là tranquillement. Oui. Un peu de poisson, monsieur Brown, désolé, on va vouloir un bout. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, il me semble derrière, monsieur. Non, non, il est bon, hein, celui-là. Il était bon il y a deux secondes, il vient de passer à varier. Eh ben désolé. Il y a pas un bon message de bouche. De ouf, oui. On a toujours un médecin, Elena. Oui, normalement, oui. Ça a pas l'air de se dissoudre. Vous me suivez avec la voiture, je m'avance à pied. Ouais. Mademoiselle. Eh ben j'ai chopé une méga infection. S'il vous faut, j'ai de la tétra et des conneries comme ça sur moi. J'ai la tétra. Si vous avez de la vitamine, je suis preneur. Bien sûr. C'est pour mes rhumatismes, mais je suis obligé d'en prendre régulièrement. Boucher pour papa. Et une bouchée pour maman. Parfait, on est bien. Allez, je vous préviens quand j'ai de nouveaux besoins. Ok. Merde, merde. Ça a l'air de se dissoudre un petit peu. Et vivent véritablement à côté d'un nuage de gaz, quoi. C'est couillu.
Ouais. Attention. Attention. Oh là, ils sont pas mal. Hein. Bon vous, monsieur Brown. Bah alors, monsieur le curé. La boire, monsieur Brown, si vous voulez. J'ai trouvé un antidote pour X sur l'un d'eux. C'est bien ça. On peut peut-être essayer de passer par là, Brown. Hein. Port, vous venez? Oui. Allez, je remonte. C'est l'ambiance, hein. Ouais. C'était quoi? C'était une mairie? C'était quoi? Bah, je suppose, hein. Un hôtel de ville? Je vous laisse pas fermer votre porte, on va éviter de l'accrocher. Pareil, il y a des trucs sur les toits là, comme si que. Comme si des gens ont habité dessus pendant un petit moment. C'était pas con. Ah bah, clairement, non. Je pense qu'au tout début de l'infection, ça devait être le meilleur endroit. Hein. Alors, ma droite ou à gauche? Gauche. Voilà. Bah, je pense qu'on peut aller tout droit jusqu'à l'entrée de la ville. Bah, si l'entrée est par là, oui. Ouais, normalement, ouais, c'est tout droit là.
Il dit qu'elle est une petite binouze. Ah bah écoutez, la binouze c'est la base. Y'a pas de sonnette ? Y'a quelqu'un ? Quelqu'un ? C'est McLaren et Brown, y'a quelqu'un ? Ah. Oh bah c'est accueillant hein. Sur le port où on était, non ? Ou à l'intérieur de la ville ? Je sais pas. Ouais, c'est à l'intérieur. Hein. Oh, y'a quelqu'un ? Ah, je pense que la sonnette va être attirée en l'air. T'en vais. Mais c'est comme un eau. Yeah. Oh putain, c'est qui lui ? Zizi, non ? Ah, Brand, mon ami ! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça fait bien, ça fait bien. Bah c'est cool. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de me faire entrer ou quoi ? C'est pas les codes, moi. Je vais faire ses rhymes, attends. Ouais, vas-y. Rhyme ! Alors, il est où ce con ? C'est rouge, hein ? Ouais, c'est rouge, ouais. Bon, lui, il a toujours été habillé en rouge, mais c'est vrai que maintenant, il a mis une petite casquette en plus, là. Après, je vais vous dire, hein, Zizi, s'il est ici, c'est peut-être mieux aussi, hein. Partie de la bande de gamins dont vous aviez parlé là. Exactement. Geno de Svetlo, Zizi et le dernier, je me rappelle plus de son nom. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des environnements ici. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, mon petit bijou. Je regrette, il a disparu. Ah. Ça va être compliqué. Le gouverneur est pas là. Quand on fait péter la porte, McLaren. Ouais, le gouverneur n'est pas là, Zizi. Non, il y avait Rhyme et Raven. Et Raven s'est couché. D'accord, ok. Et j'ai fait une micro-sieste et après il n'y avait plus Rhyme. Écoute, on va voir si elle est déjà là. Je sais pas si ça va l'interloquer ou pas, mais. Bon, l'ami. Moi, je cherche un vieil ami à moi qui s'appelle Dwayne. Ça te parle, Dwayne ? Oui, ça me parle. Tu sais où il est ? Bah, il est ici, Zeraim. Ah bah, voilà. Le gouverneur l'appelle comme ça et après il fait ah, je me trompe encore. Ouais, bah, voilà. Alors, c'est peut-être ton deuxième prénom, t'en sais rien. Ok, et donc notre Dwayne Rhyme, on sait pas où il a disparu là. Non, je sais pas. T'en sais rien où il est. Bah écoute, vas-y, si tu cherches un peu plus, avec un peu plus d'entrain, je te passe 5 paquets. Non mais je te dis que je sais pas où il est.
Et si je te passe 10 paquets. Après vous pouvez passer par un lot, mais bon c'est votre voiture là qui... Ouais non, moi je laisse pas la voiture après. Après McLaren, si t'as envie de passer de l'autre côté, je te laisse le faire, je reste avec la voiture. Bah écoutez, moi je vais tenir la conversation, mais... Dwayne, c'est Arwen, si tu me reçois, et que t'en es le parage de Charneau, est-ce que tu daignerais sortir de ta gâchette, s'il te plaît? Ouais, on te veut aucun mal, et moi le premier, tu le sais très bien. Tu ne risques strictement rien. Ah, sinon, monsieur Brown. Oui. Oui. Raven m'a expliqué ce qui s'était passé avec le camion. Ouais. Et du coup, vous êtes des méchants. Ah, bah alors, moi spécialement, non, mais effectivement, bah, il n'y a pas dit vous, mais. Comment il s'appelle? Sergei. Oui, Sergei. Sergei. De toute façon, ça va être facile, hein. Sergei ne pourra plus lui faire peur. Oui, il est mort apparemment. C'est ce que m'a dit Ring. Voilà. Allez, Douane, mon vieux, réponds. Je sais que tu m'entends. Fais pas chier. D'ailleurs, Raim, il m'a dit que c'était un ancien médecin. Ouais, bah, Raim. Bah, dans sa vie antérieure, c'était un ancien médecin. Il se faisait appeler Dwayne et il faisait le médecin avec Xenop. Il a servi sa gueule. Allez, Dwayne, je sais que tu m'entends, je suis tout seul. Attendez, je vais venir de votre côté, t'arrives. Bonjour. Il est mort, le préfet, il est mort de debout. Réponds, je sais que tu m'entends, je sais que t'es dans le coin. Arrête les conneries, faut que je te parle. Comme tu veux, tête de mule, hein. Tu sais, je te retrouverai. On peut aussi aller par Roslan. Quoi? T'es à Roslan, un journaliste. Ouais, ah bah c'est le gouverneur. Oui, c'était ça. Ah bon? Bah oui. Ah bah. Le gouverneur, c'est Roslad. Ils aiment bien les doubles identités ici. Ah. Ça veut dire que l'armurier aussi, ça, il a une double identité? Ouf, je le connais pas assez pour pouvoir le dire. Et le bourgeois, c'est mort aussi. Parce que lui, il peut pas me le filtrer. Le bourgeois de ses morts, qui ça? Henri Stonehenge? Ouais, il est con, c'est pas ça. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Ah bah oui, il est un peu... Comment dire? Bien pour tout de nos villes, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Alors oui, moi c'est le comte. Je vends mes livres. C'est un peu ça, quoi. Parlez fort, monsieur Zizi. Excusez-moi. Il n'y a personne là-dedans d'être tout seul. Bah, apparemment, oui. C'est pour ça que je suis parti et que je me suis baladé un peu. Ah,
ça tire. Ça vient de l'extérieur. Monsieur qui tire à Ternogorsk, est-ce qu'il peut répondre s'il vous plaît? Bon, il répond pas, c'est pas grave. Ah, je vois quelqu'un! Comme ça. Vers les statues! Il y a trois statues de ce. Je vois quelqu'un. Ah, c'est eux, dis donc. C'est pas pour rien que j'ai fait un stage, c'est des stalkers. Voilà, c'est par la face. On voit quelqu'un. Bon, y a un gars. Où est-ce le gars? À la statue, au-dessus de Tcherno. On va y monter, venez. Ok, ouais. Allez, go. Ouais. C'est accueillant chez Roslan, hein. Il y a des pendus partout. Ah, clairement. Est-ce qu'on entend la radio? Ouais. C'est Bobby, c'est toi, c'est Gary. Oh, Gary, mon ami. Oula, je joue là. Ils arrivent. Où tu es, Gary? Oui, je suis à la cité. Je suis passé à la cité pour recharger la batterie de ma radio. Parce que j'ai plus de batterie et du coup je peux plus aller dans la radio. Là où il y a la femme de Monsieur Freyer. Là où elle s'est rencontrée. Ah, moi, sur la cité Ronde. Tu sais, c'est le gouverneur. Justement, moi, en partant de là-bas, sur le chemin, je me baladais, j'étais quasiment à poil de batterie, comme tu sais. Et puis c'est Monsieur Brown qui m'a dit oui, tu peux passer à la cité où il y a Freyer qui t'attend pour que tu puisses recharger les batteries. Du coup, je suis remonté là-haut. D'accord. T'as rencontré quelqu'un de très sympathique qui voulait te parler. Qui voulait goûter à du pastis. Oh, un collègue marseillais? Non, mais il m'a dit que sa mère, pour qu'il, quand il devait dormir, elle lui donnait du pastis. Ah, ça c'est une bonne mère.
Tu connais ? Où est-ce que vous allez, monsieur Brown ? À la statue, j'ai dit. Derrière. Ah, justement, je sais pas où aller. Ah, d'accord. Comment il s'appelle ? Je vous guide. Raven. Raven, je ne connais pas de Raven. Raven, toi ? Il est à la cité. Vous voyez là-haut ? Ah, la statue là-haut. Ok, d'accord. C'est Zbouli de Tizi qui me parle de Raven et pourquoi il veut me rencontrer. Allez-y, tournez là. Première à droite. D'accord. Allez, juste au-dessus. Putain, on va arriver avec une armée d'infectés au cul. Hein. Voilà, y'a quelqu'un ? Je vous promets, Brown, hein. Il y avait un mec là. Ah, il n'y a personne. Je vous promets qu'il y avait un gars par là. Hein. Il a dû bouger. Hein. Ouais, ouais. Faut regarder un peu dans les alentours sur le côté là. Là, il y a quelqu'un. Ah, c'est vous, Brown, que je viens de voir. Monsieur Brown, venez voir. J'ai réflexionné. Ouais.
un sacré bon visuel sur notre ami Rostan de là. Un peu plus tôt, oui. Je viens de tirer d'en bas. Vers la cité rouge, là. Bon, bah on va redescendre. Ah bah oui. Ah, attendez, je rallume la radio. Ouais, allez-y. Brown, vous avez des piles? Oula, vas-y, attends, je vais regarder. Sinon, on va allumer la radio de terrain. Ouais, on s'emmerde pas. Ça va être la radio de terrain. Il va falloir que je refasse un stock de piles. Ouais, j'ai tout bouffé. Ah, monsieur, à la grosse voix. Vous m'entendez? Je suis à la grosse voix. C'est qui? C'est Zizi Tizi. Rhyme est rentré. Essayez de les retrouver. On arrive. On arrive. En fait, quand tu es allé à la statue. Parce qu'en fait, c'était lui vers la statue. Tu es allé vers lui et tu l'es croisé en fait avant qu'il arrive à la statue. Et du coup, on est rentré ensemble. Et j'essaye de nous parler à la radio, mais ouais, pour l'idée pas. Il y a un petit problème de pile. Ah, ça arrive. Pas de question. Passage sur la route, j'en profite. Si vous voulez voir d'autres streamers de Dark Zone sur Xbox, sur ma page de streamer recommandé sur Twitch, vous pouvez trouver Empereur Kebab qui joue encore actuellement le rôle de Malcolm, le Darkstalker, qui a bien pété un plomb, et un petit nouveau qui s'appelle PNK. Donc je vous invite à aller les voir et à ne pas hésiter à les follow. On y retourne. C'est vous qui tirez? Négatif, Zizi. Allez, je vais voir si c'est Rhyme. Ah, c'est tellement grand, c'est vraiment chiant. C'est pratique, je suis les zombies et du coup, je sais où ça tire. Ça. Un vrai arbustage. Et il y en a pas mal. Ah, une jolie collection. Aïe, mais c'est toi. Voilà.
Allez. Ouais, ouais, c'est pas fait qui tire. D'accord. Aucune idée. Personne là-dedans. Ah, je vais klaxonner. La personne qui a les clés dans ce foutoir. Il faut tabasser de l'infecté et en plus il y a personne quoi. Yes, attends, il y a une pile. Oh, putain. Oh, ah non, vous êtes déjà passé monsieur Brandt sur les piles. Ouais, mais tenez, j'en ai une deuxième, je l'ai posée par terre. Ah, c'est gentil. C'est pas où il est allé. Je vous le dis, monsieur, il est de plus en plus bizarre, Raïm, avec son. Déjà, il a plus qu'un œil. C'est bizarre, non? Bah, ça fait un moment qu'il a plus qu'un œil. Ah ouais, il m'a dit que son œil était mort. Ouais, un bref. Bon. Voilà. Il a l'air d'être drôlement ancien. En tout cas, il vous évite, hein, c'est pas possible. Il évite moi aussi, parce que. Ça. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver Madame Vivi et on revient en passant par là et on va voir si on peut tomber dessus. Ah. Ouais, ouais. Monsieur Tizi. Pas Zizi, je sais plus comment il s'appelle. Oui. Lorsque vous allez le revoir, vous lui dites Garwan est passé le voir, qu'il ne risque strictement rien. Et qui trouve un moyen de rentrer en contact discrètement avec moi s'il veut pas que ça se sache, et qu'il n'hésite pas, et qu'il ne risque rien du tout, et que je lui dis un grand merci. D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Que vous devez lui dire en gros que de lui dire. Je crois que c'est lui qui tire en fait, hein, depuis tout à l'heure. Bah, mais il est où? Bah, mais comment cette question là? Merdeur. T'avais bien beau de gâcher de l'essence de trouver personne. Ah bah tiens, bon, il arrive, je crois. C'est bon. Monsieur. C'est les dents de Greenop. Oui. Ah oui. Ça me revient. Merci.
Oui, on l'a vu que très brièvement. Bienvenue à la Cité Rouge. Ah, merci. Vous appelez comment, vous ? Je sais plus comment tu t'appelles. Zizi, il faudrait faire un tour. Ah, d'accord. Bon, bah, s'il vous plaît. T'es un fantôme. Ouais, cher P, bon, on a un crash. C'est moi qui l'ai fait disparaître. Énorme. Et on est à une minute du restart, voire deux maximum. Ben, ça, c'est fou. Hein. J'adore ce jeu. Désolé. C'est beau qu'il y ait une vie. Sans beaucoup. J'ai des portations, mon gars. Non, il va avoir le restart, on reprend après. Putain. Désolé. Balance ce sketch. J'adore ce jeu. Franchement, ce truc de merde qui t'arrive au moment où il faut pas. Ça fait beaucoup maintenant, sérieux. Pouf. En plus, il revient avec un carton les bras et en tournant sur lui-même, c'est adorable. Je suis désolé pour ceux qui suivent le spécial. Je suis parti dans le monde de Yoko. C'est n'importe quoi. Oh putain, j'en pleure, sérieux, t'es pour ces cons. Putain, mais encore heureux que ça nous est pas arrivé vendredi, une connerie pareille, hein, parce que putain. Ah bah ça. On va attendre le restart et on reprend. On va refaire l'entrée. C'est mieux. On fera une coupure au montage, hein. Vous l'avez pas vu ce qui s'est passé avant. On va en prendre de là. Zizi, reviens-dé. Incohérence, ma voiture va bouger là-bas. Bon, je dis juste que on aura 3 minutes pour essayer de reprendre notre souffle et se remettre dedans. Là. Ça va pas être simple. Je suis désolé. Je les invite pas en groupe parce qu'on va pleurer de rire pendant 5 minutes encore, ça va pas le faire. Ouais. On va en profiter pour aller chercher à boire et faire un petit pissou. A tout de suite. Super. Lunaire, la petite danse en peu, c'est dans le commissariat.
Ça aurait été magique, imagine le gouverneur, il serait arrivé au même moment. Mais moment, il passe, c'est à c'est côté, puis il se retourne. Il voit mon petit cul, là. Ah, McLaren. Ce gag. Mais alors, ce gag. Ah, c'était beau, c'était beau. Vous appelez quoi? Ça va, ok. Tira, il a bien rigolé, ça. Ah ouais, beaucoup. Donc je vous rappelle que vous avez le shop Dark Zone, hein. Il y a du mug et de la casquette pour l'instant. J'aime trop le pull blanc avec le cap. Ouais, il va venir. Ouais, il y aura aussi la version Dark Zone qui va arriver. Ouf, avec un. Il y a des zeps maintenant. Oui, il y a tout un string Dark Zone. Bah, regarde dans le chat de Twitch, t'as le lien pour... pour la boutique. Ok. Hop. Il y a Je suis un partenaire. Je vais arriver aussi. J'ai survécu à la zone. De la zone. Hop là. Faut que tu fasses un t-shirt avec écrit de Dream Superhero. J'ai sûr que ce sera un best-seller, tout le monde l'achèterait. Je vais faire un t-shirt avec Dwayne et un gros cul. Avec... Ah si, je pense que ça marcherait. Mais c'est évident que ça marcherait. On va faire un t-shirt Senior Brand. Non mais ça, avec l'étoile montante derrière. Alors sur le côté, il fait un t-shirt avec un petit renard qui bave de manière nerveuse. J'ai pas encore étudié le truc à fond. A tout hasard, pour ceux qui font des streams et qui veulent avoir une petite boutique comme ça, c'est fait, c'est gratos et ça se fait avec Stream Element, quoi. Et en fait, ils prennent une grosse commission sur les ventes, mais bon, la petite commission fait toujours du bien et ça fait toujours du bien et sympa à avoir, quoi. Alors, ici, du coup, le truc qu'on peut trouver. Tu vas bah, sur le. Bah, attends, je le remets sur le chat. Yeah. T'as l'air, il revient dessus, il avait des rapports. Il est là? Bon, attends, on va attendre deux secondes que notre ami Rêveur soit allé voir. Ah oui. T'as de la chance, toi. Je te jure que t'as de la chance. T'allais t'en prendre une. Je croyais que t'étais un zombie. Ah, sympa. Alors, les prix, je ne fuis que très peu dessus, quoi. Malheureusement. C'est généré par Steam Element pour les trucs. Et bon. Sympa, j'apprécie beaucoup. J'ai peur, hein. Hop là. Bon, on peut retourner dessus si vous voulez, hein. Bah, c'est pas si on veut, hein. Faut y aller, là. Allez, hop, hein. Tu comptes rebugger, Tira, ou c'est bon? Non, ça, c'est bon. À tout de suite. Entendez ? Ouais, c'est bon. Du coup, comme je disais, bienvenue à la Cité Rouge. Bienvenue, McLaren. Du coup, bienvenue à la Cité Rouge. Monsieur Brand. Monsieur. C'est quoi votre nom ? McLaren. Erwan McLaren. Et vous-même ? Rime tout court. D'accord, monsieur tout court. Ça prend tout court, mon nom de famille. Alors, mais je le dirai au gouverneur. C'est la décoration est subjective. Et les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Oh là, ce niveau-là, ça se discute pas vraiment. Ça s'appelle un bouquet des goûts. Non. Pas sûr qu'il puisse discuter celui-là. Il est là le gouverneur? Non, là, malheureusement non.
Comment il dort? Oui, monsieur Brown. On s'entraîne. Vous voulez que je vous fasse visiter peut-être? Allons visiter. Non. Évidemment. Ah, encore un zombie. Eh ben, elle se renvoie la balle, hein. Si vous avez le commissariat de police, où la milice va s'installer prochainement. Ouais. Je me disais, vous avez beaucoup de véhicules, hein. Vous en avez combien? 5, non? La Holga qui est là, c'est mort déjà. Ah oui, bah non, 4 du coup. 4. 4 véhicules, me dit. Ah, c'est la richesse, c'est la richesse. Ça, c'est la tour du gouverneur. La tour administrative. Ouais, j'ai bien pu monter en haut la dernière fois. Sympa, hein. C'est le genre de tour qui montre qu'on se sent supérieur à monter tout au-dessus de tout le monde. Hein. Ça, c'est le l'hôpital de fortune. Et Crossland cherche activement un médecin. Ici, vous avez chez Maurice. Qui fait du très bon côté mouflon et renard apparemment. Oh, c'est ça, exactement. Le grand bâtiment administratif est encore en travaux. Ouais, ça tire et ça pète de partout. Ici, vous avez quelques habitations habitables et quelques commerces, pas encore pris. Les recherches repreneurs, évidemment. En face, vous avez l'armurerie. Ouais. Un type qui fabrique de l'armement. Oui. Nicolas. Non, Dimitri. Nicolas. Oui. Il a changé de prénom. Ah non, ouais, c'est ça. Il y avait trop de Dimitri dans la région. Ok, d'accord. Il fabrique des armes, mais il y a des armes pour lesquelles il a des plans, les matériels. Vous connaissez, ouais, Dimitri, j'ai pu le rencontrer plusieurs fois. Ouais. Je crois qu'il est déjà venu à Greenop. Oui, il est passé à Greenop, oui. Et il nous disait que contre du charbon et de la tôle, il pouvait nous fabriquer des balles à moindre coût. C'est ça. Et des tuyaux aussi également. Et les tuyaux, non, c'était pour faire des armes. Ce que vous voyez en face, c'est exactement comme ici, des commerces et des habitations. C'est clair, ça devrait nous. Ouais, ça crée un antenne radio. On a un bâtiment radio aussi là derrière. Ils sont pas encore en état, je crois. La ville est en vie ici. Il y a du monde. Ouais. Ouais, assez fréquemment, ça va. L'oiseau petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, mais. Ouais, bien sûr. Ah, ça va. Donc, bon, vous avez commencé à déployer des apports commerciaux avec Rostan, hein. Ouais, c'est ça, de la vente de quelques trucs médicaux et puis du charbon. Vous allez bien, monsieur Raim? Ça va, merci. Donc, ouais, du charbon et puis des trucs médicaux en quelque sorte.
Ouais, c'est pas encore totalement établi, mais voilà. Il y a déjà une livraison qui a été faite hier, il me semble, de charbon au moins. Et trucs médicaux. Ouais. Donc voilà quoi. C'est le doc qui s'est occupé des trucs médicaux et normalement c'est Frayeur qui s'est occupé du charbon. Ça nous a coûté cher, mais ça a été fait. Ah bah bien sûr. Moi ça vous intéresse, je peux vous laisser quelques nas pour pêcher. Vous offrir. Ah ça peut être intéressant, pêchez-vous. À titre de rapport de bon voisinage. Voisinage, on n'est pas prêt. On a quoi, 4-5 km entre nous. Facilement, même un peu plus, on peut dire une vingtaine, sans aucun problème. Voire même une quarantaine. Mais justement. Peut-être pas autant. Autant avoir des amis, des rapports amicaux. Voilà. Bien d'accord. Et amicalement, je suis à la recherche d'un vieil ami qui m'est très cher et que j'aimerais beaucoup retrouver. Il s'appelle Douane. Moi, on en a parlé. Vous connaissez ? Malheureusement, non. Bah, si vous rencontrez un certain Doen, vous lui dites que Erwan le cherche. Et qu'il serait bienvenu, qu'il passe un petit appel radio discrètement. Ça me ferait le plus grand plaisir et qu'il n'y aura vraiment, vraiment aucun problème. Si je le croise, je transmettrai le message. Oh, je n'ai pas de doute sur le fait que vous allez le croiser. Je suis quasiment sûr. On va aller chercher le coffre marin avec les NAS pour leur offrir. Vous nous raccompagnez à notre bien sûr. Monsieur Raïm. Avec grand plaisir. Vous avez besoin de rien en particulier qu'on peut vous fournir? Non. J'aurais bien rencontré le boucher et manger du mouflon parce que tout le monde me dit que c'est une tuerie, mais bon, théorie c'est raté. Vous en ramènerez à l'occasion. Ah bah ça sera avec plaisir. C'est un état de village, je sais pas si vous savez où c'est. Si, je suis passé hier. Comment va votre sœur? Ma sœur. Croiser elle aussi, vous me poserez la question. Ah. Ça va pas trop aller. C'est pour ça que je veux absolument retrouver mon vieil ami Noël. Je lui dois une fière chandelle. Mais hélas, l'histoire elle est pas finie. À ce que j'ai cru comprendre de la part de votre ami Brown, votre ami est recherché, c'est ça? J'ai ma dose. Donc oui, bon, c'est pas qu'il est recherché. Ça fait quelques semaines qu'on a plus de nouvelles des gens qui auraient pu le rechercher. Et si on peut l'aider à être en sécurité, ça serait une bonne chose. Tenez, Raïm, ça c'est... Ah, ça serait un pour récupérer le coffre et les NAS pour la pêche. Merci à vous. Ça sera toujours un meilleur rapport alimentaire et vous précisez bien au gouverneur que c'est cadeau. Ça marche, je me transmettrai le message, merci à vous. Voilà. Et n'oubliez pas le message pour mon ami Douane, Raïm. Je vous réponds. Je compte sur vous. On y va, monsieur Brown. Aucun souci. On a encore du monde à voir. J'ai failli. Ouais.
Et s'il est là sous une fausse identité qui ne veut pas être reconnue. Ah oui, mais messieurs. Oui. La prochaine fois, si vous avez l'intention de revenir à Tchernogorsk, si vous pouvez ramener Gary. Pourquoi pas, oui. Si il est là au moment où on part, oui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas marqué taxi. Hein. Après, moi je demande, hein. Je demande après. Il n'y a pas de problème. Brand taxi. Vous y croyez, McLaren? Oui, je pense que oui. Mais bon. Non. Non. Prenez soin de vous, monsieur Raïm. A bientôt, monsieur. Prenez soin de vous. Raïm. A très bientôt. Faites attention, il y a le gaz. Encore, mais plus tard. Ouais, effectivement, faut... oui. Faut refaire le tour par où on est venu, monsieur Brand. Par derrière. Ouais, il n'y a pas de souci. Hop là. Bonne route à vous. Et je suis sûr que votre ami réapparaîtra bientôt. Je pense aussi. Bonne route. À vous aussi, bonne soirée, bonne journée, soirée, je sais plus quelle heure il est du coup là. Ouais. Bonne journée, ouais. Il n'y a plus de saison de toute façon. Qu'est-ce que Dwayne traîne là-dedans avec le Red Star? Ah, j'ai bien du mal à comprendre. Hein. Après, peut-être que je le connais pas aussi bien que ce que je croyais, mais mais sa façon d'être n'a pas l'air de correspondre avec ça de base. Il est loin d'être un communiste, ça c'est sûr. Bah ouais. Alors ça c'est sûr. Donc c'est qu'il a encore sniffé un nouveau merdier dans lequel il allait se fourrer en courant. Écoutez, il est bien portant. Il a l'air plutôt pas trop mal nourri. Le principal. Il est armé correctement. Je pense que ça devrait aller. Ah, et puis il a l'air d'avoir une bonne place. Hein. Seulement, monsieur Roslan a l'air d'être au courant que c'est lui aussi. Hein. Donc. Je sais pas, ils ont sûrement manigancé un truc à deux, mais. Et puis pour quelle raison Roslan, qui a lâché la cité en vous embourbant vous, moi, protégerait Dwayne de vous et moi? Bonne question. Direction électro. Hein. Électro. C'est par là-bas. Oui. Voilà, c'était l'autre droite. Bah, c'est là, c'est bon. vous me troublez, monsieur McLaren. Arrêtez-vous. On coupe la radio. Normalement, elle est coupée. Non, je vais vérifier quand même. Et après, on finira par Svetlograd. Si les gars de la Branva sont là, j'aimerais les remercier. Merde, on va pas pouvoir passer là. Ouais. Continuez, on va passer sur la gauche. On peut avancer encore là? Ouais. Regardez. Le nuage. Effectivement. Juste en ras là, à gauche. Je crois pas. Si. Ok, d'accord. Allez-y. Reprenez la route. Hein. Sans taper l'arbre. Pas casser la voiture. Alors j'ai un gros mal de tête. Oui.
Attends. Alors faites une petite marche arrière. Marche arrière. Ouais, non, ça passe. C'est bon. Allez, reprenez la route. Ou est-ce qu'il n'y a rien là? Ouais, je vous avoue que je voyais du vert partout autour, sur nous, quoi. À droite, là, là non, non, pas à droite, c'est bon, non, ouais, ouais, continue à monter, pas trop le choix. Ok, d'accord. Alors, on a une route à part rejoindre l'autre côté. Oust. Ils sont forts, hein. La pluie n'est pas mon pare-choc. Ouais, un peu trop, ouais. En forme de quoi, je sais pas, mais au moins ils sont en forme. Ah bah oui. On devrait rechauffer après en descendant. Oh putain. Oh là là, ce que vous lui faites tirer une vitesse, c'est bon. Ouais, mais c'est peine. Ça fait du bien de pas conduire. Alors moi, il y a juste le temps que je m'y adapte, mais petit à petit ça s'améliore, mais il y a encore des fois où je la rôde bien. Après, elle passe jamais. Je bousille jamais le moteur pour autant, quoi. Juste ça tire dessus, mais voilà. C'est de la bonne mécanique à droite. Et encore à droite en arrivant. Oh, j'ai des flics. Normalement, on devrait passer au large. De ce foutu gaz. Fait faire des détours de merde, tout ça. Ouais, mais bon. On est pas spécialement super équipé pour ça, quoi. Ah bah non, clairement pas. Allez, faites le code de la route. De toute façon, là où on vit, il n'y a pas de code de la route. Vous aviez repéré où est-ce que ma milice s'est installée? Là où je suis passé à côté en voiture. Ouais. Il va falloir qu'on s'y arrête là. J'espère qu'il y a quelqu'un. On espère, ouais. Il y a moyen de contacter peut-être la Bratva aussi pour savoir s'ils sont là. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter du coup. Hop là. J'y vais. Mais c'est bien. Ici Brando, ça fait zéro le gars. Est-ce que la brade va? Et ici sur les ondes radio. Alors je sais aussi qu'ils ont une autre fréquence radio qu'ils utilisent entre eux, donc... On changera de fréquence quand on arrivera chez la nuit. Oh, ok.
On va s'arrêter aussi à Electro chez le Lato. Ça fait longtemps que je ne me suis pas arrêté là-bas. Et quelqu'un me reçoit ? Qui est sur la fréquence ? On vous reçoit. Il est à la radio. Le McLaren. Ok, je vois. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut pas dire son nom. Enchanté, quelqu'un qui peut dire ça, qui peut pas dire son nom. On peut faire quelque chose pour vous? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on se connaît. Ouais, j'ai comme un gros doute de même. Oh putain, l'arbre il est pas passé loin. Oh con. Aïe, je crois que Brown a... On est en train de faire une crise cardiaque là. Jamais ça s'arrête là. Brown. Oh putain, on va mourir. Vous avez besoin d'aide? Oh putain, ce qu'on vient de prendre. Oh putain. Oh putain. Ron ? Oh. Oh. Oh putain. Tranquillou pilou. Aïe. Je comprends pas trop, là y'a plus rien qui bouge. J'entends même plus McLaren. Aïe. On entend la radio, j'entends des. Non, il faut pas à côté de moi. Là, il se tripote. Oh, on vient de se clater contre un mur. Putain, Ron. Ça va? Ah, ok. Écoutez, je vais faire une sieste, on verra bien. Ouais, il a défoncé la bagnole, sérieux. Oh, putain. Ah, putain. Je peux même pas sortir de la voiture, je crois qu'elle est morte en fait. Vous avez vu, qui c'est qui parle à la radio ici, c'est Gary. Ah, monsieur McLaren, c'est Fire, qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans 2 secondes pour vous le dire. D'accord. Oui. C'est gros freeze. Oh là. Oh mon dieu. Oh là, elle est complètement morte la bagnole. Oh là là. Oh, c'est un carnage, monsieur Brown. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez eu un vertige? Oh putain. Quoi? Oh là là. Vous avez défoncé la voiture, vous avez. Vous avez tourné de l'œil. Enfin, vous êtes parti, mais vous avez monté à fond comme jamais vous avez conduit. Et on a pris le truc à moins 100 km/h. Elle est morte complète la bagnole. On s'est défoncé, mais alors comme jamais. Oh putain. Moi j'étais comme suspendu dans le temps, j'entendais seulement la voix de monsieur qu'on connaît pas là. Et je sais pas, il y avait plus rien qui bougeait pour moi. Ouais, Grenoble, on était en vie, mais bon, on a plus de bagnole et on est pas bien. Mais alors pas bien du tout. Oh putain, oui, je suis vraiment pas bien non plus là. Oh putain. Oh ma tête. Vous avez besoin d'aide, messieurs? Ah, écoutez, monsieur, je connais pas le nom. Si vous avez un véhicule, c'est bien preneur, ouais. J'ai un véhicule, mais je peux pas vous le donner comme ça. Je comprends bien. Ah, mais on cherche pas à récupérer un véhicule, je pense qu'on cherche surtout à être mis en sécurité là. Ça va, Brown? Oh, le mal de tête là. Attends, j'ai pas eu de boss à McLaren là, parce que là. Si vous avez une gueule, mais alors la moitié d'une gueule là, monsieur Brown. Mais putain, qu'est-ce qui vous a pris?
Vous avez la tête qui est nodelinée, on dirait que vous étiez en train de tourner de l'œil, je croyais que vous faisiez une crise cardiaque, et ça a accéléré de plus en plus, quoi. J'ai vu arriver la barrière, je me suis dit, mon Dieu, on est mort. J'ai toute ma vie qui a défilé sous mes yeux. Oh putain, saloperie de bagnole, là. Mais non. Ah si, saloperie, ouais. Oh, y a plus rien à récupérer, il y a tout qui est massacré. Au moins vous êtes toujours vivant. Bon, putain. Vous aviez dit, vous aviez jamais cassé de voiture, monsieur Amorin. Bah vous pourrez plus le dire. C'est pas marrant, putain. En plus on est loin de tout là. Alors, on n'est pas loin d'électro. On va abandonner la voiture. Et on va se réfugier dans les HLM pour passer la nuit. Je veux pas l'abandonner. Ah bah là, écoutez, faites ce que vous voulez, mais écoutez, je sais pas, prenez la bougie, vous la gardez en souvenir, et ça ira mieux quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut embarquer là? On va embarquer la radio de terrain, ça c'est sûr. Monsieur McLaren. Oh, putain. Oui, le monsieur qui ne peut pas dire son nom. J'ai cru comprendre que vous cherchiez un de vos amis. Ouais. Mon meilleur ami qui s'appelle Dwayne. Je sais où il est. Eh bien, si vous voulez où il est, vous allez lui dire de se bouger son gros cul à ce con. Parce qu'on vient de se faire éclater par une bagnole et que s'il a quelque chose pour nous aider, on est bien preneurs et qu'il nous retrouve à Electro et il doit savoir où il y a une machette et un poulet. Oh putain, c'est là où j'ai atterri la première fois quand je suis arrivé ici. On est bien content. Machette et poulet, on a bien sauvé la vie. On va arriver, grand Brand. Je peux pas apporter grand chose. Hein. J'ai pas le radiateur et un chalumeau. C'est dur ça. Monsieur McLaren, pour frayer, il s'est passé quoi? Brown a fait un malaise, mais un gros. Il est resté le pied appuyé sur l'accélérateur, on a emplâtré une barrière, on a défoncé la voiture et on est défoncé. J'ai eu comme une vision suspendue dans le temps et j'entendais une voix divine, c'était étrange. Faut plus le laisser conduire le vieux les gars. Il faut plus le laisser conduire. Encore. Je suis désolé. Je veux bien ce que tu crois, je te le dis. Donc la voiture est cassée là, comme j'ai compris. Ma Olga, putain. C'est pas qu'elle est cassée, c'est qu'elle est défoncée. Attendez, je vous passe Brand, bougez pas. Il va bien, merde, attendez, il est affecté. Alors, monsieur Brand, faites la discussion, Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Brand? Bah, je sais pas, j'étais en train de rouler, d'un seul coup tout le temps autour de moi s'est suspendu, plus rien avançait, plus rien. Tout était figé et j'entendais une seule voix autour de moi, c'était étrange. Bon, on va traverser. Hein. Oh putain, j'arrive même pas à sauter, je crois sans. Ah, McLaren, bon, on abandonne le radiateur, tant pis. Oh. Donc vous comptez faire quoi? Dormir sur place et... On va dormir sur place, on va aller se planquer à Electro. C'est une zone qu'on connaît bien, y a pas de soucis là-dessus. J'ai logé les gars, on verra ça demain. Ouais, super. Ouais, y a pas de soucis, vous avez bien fait, monsieur Frayeur. De rien. Faites attention à vous, surtout. Ouais, va falloir enjamber la bande. Oh, con. D'accord, ok. Oh putain, allez, bon, merde. Faites un effort. Ça a jamais cassé de voiture. Sérieux. Mais sérieux, il a jamais cassé de voiture. Alors quand il les casse bien, quoi. Oh, on fait pas les choses à moitié chez moi. Ah, j'ai compris. Soit c'est parfait, soit c'est désastreux. Oh bah là on est dans un beau désastre.
ça s'appelle comme ça. Ouais, et puis avec mon malheur là, j'ai envie de jeter la radio tellement je suis énervé, mais avec mon malheur ça va s'enfoncer dans la terre, je le sais bien là. Comme tout ce que j'y jette en général. Oh putain. Vision que j'ai eue, elle était juste magnifique, hein. Une voix divine dans ma tête, c'était étrange. Ça m'a un peu côtoyé beaucoup pas la radio. Ouais, c'est probable, ouais. Je pense que je vais arrêter de toucher à leur connerie. Hein. Ouais. Ah, ils ont donné la bonne, vous aussi vous les avez rencontrés. Ouais, ouais. Bah, monsieur, je vous dis à tard, je coupe pas la radio. Ouais, faites attention à vous, voiture. Non, moi je suis à pied. C'est peut-être mieux au final. La vue, c'est la vie. Hein. Oh putain, et puis mes lunettes, elles sont pétées, vas-y, allez hop, GG. Ouais, je vous préviens, hein, je vois trouble, mais au moins j'ai pas de verre trempé cassé sur mes yeux. Qui, ma foi, est une bonne chose. Je vous rappelle qu'on n'a plus qu'un seul toubib et qu'il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Oh là là. J'échauffe les jambes. Hop. Allez, allez-y, faites un effort. Ça va aller. C'est bon, monsieur Brand ? C'est bon. Allez. On va se faire une pause à la grange au-dessus. Je suis désolé, Norbert. C'était ta voiture. J'ai fait de mon mieux. Eh ben, elle a rejoint son patron. Oh, elle a eu une bien mort. Pour une fois, elle a dépassé les 100 km/h. Hein. Ah, ça. Non, mais j'ai jamais eu un mal de tête comme ça, vraiment c'était la première fois. Sur vous, monsieur Brand. Ah, plus du tout, depuis que j'ai pris l'épée, j'ai plus rien pour couper. Ah, super. Bon, on va aller au couteau, hein.
Ah, c'est dommage qu'on puisse pas prendre dans les stères de bois qui sont là-bas. Je suis d'accord avec vous. Je prends la nuit ici. Parfait. Monsieur Brown, je vous propose qu'on se repose fortement. Hein. Et pour mon nouvel ami qui n'a pas de nom, si vous pouvez poser la radio, Monsieur Brown, par terre. Oh, oui, c'est vrai. Voilà. Et pour mon nouvel ami qui n'a pas de nom... Je suis à Electro. Rejoignez-moi là où il y a le poulet. Voilà, non, on peut pas pour l'instant. On va attendre la fin de la nuit et on se retrouvera demain. Ça va être plus simple, parce que dans l'état où on est, il vaut mieux pas qu'on aille jouer sur Electro. Ouais, pas de lui surtout. Une bonne chance, mon nouvel ami qui n'a pas de nom. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Il disait qu'on passe la nuit et que ça sera demain plutôt. Ah, je peux pas rester malheureusement. Je vais véhiculer. Ramenez votre véhicule, ne vous inquiétez pas, on reprendra rendez-vous demain sur le même endroit. Je ne serai pas disponible malheureusement. Ça sera pour bonne soirée. Soirée à vous. Courage et bonne chance. Bon courage, courage pour trouver votre ami. Eh ben écoutez les amis, on va arrêter le stream là-dessus. on se rapproche à grands pas des retrouvailles de Macaran et de Dwayne. C'est compliqué, a priori. Et puis je vous dis, demain après-midi, on sera certainement sur ou du Walker ou du Méloman. Oui, je me doute que je vais galérer. C'est un peu le but, hein. On va dormir là, nous, avec le vieux Brand. Vous récupérez Monsieur Brand, vous récupérez la radio dans les mains, s'il vous plaît, pour pas qu'elle pour la pomme. Bien sûr. Attends, tu as pas vu ce qui nous est arrivé. Ils ont dit, il veut nous engueuler, lui. je viens de me prendre une bagnole en pleine gueule à 120 km/h. On est encore en vie, je sais même pas pourquoi. C'est vrai que c'était très... Moi, au moment où ça... le temps s'est suspendu, c'était marqué 110. C'est-à-dire que c'est accéléré. Ah, désolé, j'ai coupé la chic à Brown. On va éviter les protagonistes de l'histoire. Alors, Tira... T'as pas vu l'accident qu'on a eu? Il t'abuse. Il a dit. Mais bon, c'est une McLaren, ça, c'est sous la colère. Maintenant, tu vois pas dans l'état où il est, bro, il marche pas droit. Je te promets. Je suis dans le rouge depuis tout à l'heure, hein. Ça remonte pas. Moi, j'étais dans le jaune, t'avais à peine de repasser dans le blanc. On s'est fait défoncer par la bagnole. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit sur le stream et bien évidemment à demain après-midi. Donc, ou du Walker ou du Méloman ou du McLaren. Bon, non, on sera pas du McLaren parce que là, on est coincé à Electro et il va falloir qu'on continue notre parcours à pied. Ça va être long, je vous le dis. Ah, ça va être beau, ça. Tout en essayant de retrouver le Dwayne, tout en continuant à égrener des petites infos discrètement que lance McLaren, mais il n'y a qu'une seule personne pour l'instant qui peut comprendre. Et donc demain après-midi, ou alors peut-être si mes copains numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5 sont là, on se fera un petit parcours de l'ordre NAC. Ça peut être rigolo, enfin on va voir. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, en tout cas merci de votre fidélité, vous êtes super. La chaîne avance, hein. D'ailleurs Cara93, c'est vrai que j'ai oublié de le dire la dernière fois, et notre meilleur follower et le seul abonné de la chaîne. Voilà. Donc, c'est
Lui au moins il peut écrire tout de suite sur le chat. Hein. C'est, je crois que je vais rajouter de 20 minutes maintenant pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hein, pas alors, de pub. En plus lui il a pas de pub. Et je vous rappelle d'ailleurs que tout l'argent qu'on rentre sert à financer le serveur. Hein, ça va pas dans ma poche. Uniquement pour le serveur et pour ce qui peut se passer sur le serveur Dark Zone uniquement. D'accord, je fais pas tout ça pour vous blesser, de toute façon, j'ai passé l'âge. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à tous à demain. Pas enfin, tout à l'heure en fait.